Donc là, ici, on est au-dessus de l'abbaye de Clausson, au-dessus du village très comique du Seix. Faut passer par les gorges du Fay pour monter le Fay. Et on arrive facilement sur une sorte de petit pâture là. Donc là, j'ai montré là parce que là, après, je sais pas s'il y a une belle vue. Et là, on se balade. Et après, ça va attaquer la descente. Bon, faut suivre ça là, boucle de Clausson. Faut sortir de la prairie, suivre le petit chemin, ça va un petit peu grimper. Un petit chemin comme ça, au balcon. Une petite grimpette et après, normalement, voilà, là on a un balcon, une jolie vue. Ouh là, ça va être joli. Ouh là là là, ça déménage. Oh. Allez. Pour l'instant ça grimpe pas. C'est pas le meilleur moment pour passer quand il... En moins de vent, c'est pas terrible. Ça va, c'est pas trop beau. Là, on va passer dans la cascade. Oulala. Bourbier. Je suis joli. Mais c'est boueux. Ah ouais. Donc c'est bien ce petit chemin là, hein. Faut pas vous tromper. On s'indiquer par un petit traçage jaune. Magnifique. On est au-dessus des gorges. Vraiment, il y a un point de vue quelque part. Et un petit détour à faire pour un super point de vue, je pense. On va déménager. C'est parti, le point de vue. Ouh là là, ça va déménager. Ouh là là. Alors là, c'est la fin. Faut pas aller plus loin. Ah, c'est le petit truc. Le fait là. Là, ouais, vous voyez une grosse trompe. Ils ont fait une trompe géante. Je suis monté là-bas à l'abbaye, à la route qui est en dessous. On peut faire plein de tours par là. Il y a un détour de l'autre côté là-bas. Oh, c'est joli. Magnifique. Au panneau, le point de vue, faut pas le louper. Hein. Franchement, ça déménage. Allez, ça descend là. Balcon. Oh, la belle vue. Oups. Allez, petite pause avant de descendre. Allez, c'est la descente aussi. Hein. Ouh, la marne.
magnifique. Allez, au col à gauche, mais il y a aussi une piste à droite que j'ai jamais testée encore. Joli ce chemin, pas très pentu aussi, mais joli. Pour tout niveau quoi. Il n'y a rien de dur pour l'instant. Voilà des paysages magnifiques. Oh putain! Ouh! Ils sont vraiment un peu secs ici. Hein. Ose la vieille! Au-dessus du village de sexe. Non mais. C'est grave. Ouais, ça descend un peu plus maintenant, on dirait. Ça attend parce que y a un peu beaucoup de pentes. Hein. Les racines, par contre, merci. Ah, c'est mieux là. On voit beau, c'est démouli. Putain. J'ai pas roulé dans l'arrière. Une tête de pierre. Oh là, alors là. La vidéo, on voit toujours pas les... La pente est... Et tous les rochers, je pense. Et la pente. Ben alors, on arrive bientôt, on dirait. Ah, sexe. Sexe. Sexe là-bas. Ouh, c'est sexe. Petit village de sexe. Ouh, voilà. Esquive, un caillou invisible.
La remuque, c'était nous. C'était moldi. Joli ici. Ils ont fait des beaux petits trucs quand même. On se croit en station, ouais. Oula, alors là. Non, ça va. Ils ont bien travaillé, les mecs. Putain. Bravo. C'est propre, c'est pas naturel, c'est des gens qui l'ont nettoyé et aménagé. Bravo. Oh ouais, c'est bien fait. Du boulot là. Comment ils s'appellent les gens du sexe? Sexistes? Les sexuels? Les sections? Les sexes? Les sexes, je sais pas quoi. Oh, putain. Sexiens. Les sections. Tout de bite. Là, ils ont pu aménager, ils ont oublié. Non, c'est la flotte qui a coulé. Oh putain. Oh, magnifique. Ils ont fait des beaux trucs. Un peu serré. Oh, la belle petite rivière. Et ouais, c'est la fin. La fin. Mais un sexe. Eh ben, qu'est-ce que j'aurais dit sexe? J'ai dit sexe au moins 50 fois.